Coucou les loulous, j'espère que tout va bien. Je reviens de l'école, il est midi, donc je me fais une petite pause et avant d'aller manger, je vais vous montrer mes produits terminés. Alors, attends, avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est que je vais te présenter déjà ce que m'a envoyé, enfin, je l'ai demandé, hein, je te le dis carrément, les parfums Nox. Donc, parfums Nox, c'est des dupes de parfums, tout simplement. C'est des petits parfums en 50, 100 ml. Là, j'ai des 50 ml. C'est des dupes, en fait, de parfums existants. Et tu peux retrouver... l'équivalence, alors il y a plein de trucs, il y a même les parfums Britney Spears et tout ça en dupe, ce qui est pas commun parce que souvent les dupes, c'est les dupes de parfums hyper connus quoi, genre Chanel, etc. Mais là, non, t'as un peu de tout, donc ils m'ont envoyé deux parfums, j'ai en plus un code promo de 10%, si ça vous intéresse, je ne gagne rien là-dessus, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, parfum Nox, je vous le montre là parce qu'en facteuse, j'ai rien en ce moment, j'ai juste une casquette, j'attends 2-3 babiolettes, mais j'attends ma palette Jeffree Star, j'aimerais bien savoir où elle est d'ailleurs celle-ci. Donc, j'ai un parfum fille, un parfum mec. Alors, je ne sais pas l'équivalence du coup. Le parfum fille, c'est le 063. Je leur ai demandé de m'envoyer au hasard parce que je leur ai dit ça me fera la surprise. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Et là, j'ai vu même sur leur site, il y a des parfums à 6 euros. Il y a des promos et il y a une promo Black Friday en plus. Ça sent bon. C'est hyper fleuri. Oh, c'est trop bon. Ça sent trop bon. Et moi, je les aime beaucoup. Et il y a une abonnée qui m'a envoyé un message hier qui m'a dit sur Instagram, je veux dire en commentaire, pardon. Qui m'a dit qu'elle avait déjà commandé deux, c'était sa deuxième commande, je crois qu'elle avait eu avec ma mon code promo, donc je vous le mets en dessous, je vous mettrai le site qui est comme ça, voilà, parfumnox.com, et je vous mettrai le code promo, c'est Fashion Barbie tout attaché, donc tu vois. Et donc pour mec, c'est le 138, et c'est pareil, celui-ci, je l'ai essayé, donc tu vois, pour mec, c'était argenté là, je l'ai essayé du coup, et hier, je l'ai essayé à midi, et je l'ai ressenti le soir avant de me coucher, de me laver, pardon, excuse-moi. Ça sentait toujours aussi bon. Alors ça, c'est très... Il y a un petit côté poivré. Un petit côté, je sais pas, jazz ou... Je vais plus te rappeler de ce parfum-là, jazz. Ah ouais, c'est masculin, mais en même temps très léger. Avec un petit côté poivré. Et du coup, j'avais mis ça, comme je les ai reçus hier midi, je me suis dit, je vais les porter toute l'après-midi, comme ça, je vais voir si ça vire pas. Et j'aime beaucoup. Franchement, celui-là, j'aime beaucoup. Et celui pour Nénette, j'aime beaucoup aussi. Je leur ai dit, envoyez-moi au hasard. Comme ça, je me suis dit, je ne choisis pas celui que je... J'aime bien celui pour mec. Bon, en tout cas, nous, sinon, on se retrouve pour les produits terminés. Hein. Vous savez que quand vous avez ce panier-là, c'est que c'est les produits terminés. Alors, attends, j'installe ma chaise pour mettre... Alors, on est parti. C'est toujours les mêmes choses, mes produits terminés, les filles. Je suis désolée. Mais bon, on va commencer tout de suite avec l'exfoliant pour le pied de chez Action, le masque exfoliant de chez Action. En fait, c'est ça, pour celles qui ne connaissent pas, ça fait des chaussettes en espèce de plastique avec dedans une solution. Vous coupez, vous enfilez et eux, ils disent de laisser jusqu'à 2 heures. Et après, vous rincez. Je ne l'ai pas laissé très 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 longtemps, peut-être 30 minutes ou une heure max. Et là, ça pèle mais léger parce que des fois, ça pèle mais sévère, hein, t'enlèves des gros bouts de peau. Il est très bien, ça coûte 1 et quelques, peut-être 2 euros. Enfin, c'est vraiment très, très bien pour te faire des petits pieds. Parce qu'on les oublie, nos pieds. Hein. Je trouve qu'on hydrate tout. Enfin, je suis tentée qu'on hydrate notre corps. Mais je trouve que les pieds, on les oublie. Ça, c'est pareil. C'est un de mes favoris. C'est l'huile de massage dont je m'en sers pour hydrater, moi. Ça sent hyper bon. Je le mets dans ma douche. Oh, j'adore. Ça sent vraiment très huiles essentielles et tout ça, très naturel. Là, t'en as pour un moment, en plus, il y a combien, 650 ml, tu vois pas. Et je l'adore dans mon... Mais je l'ai pas revu, là. J'espère qu'ils l'ont pas arrêté. Je l'adore dans ma douche, tu vois, vraiment, quand je sors de la douche, je me mets... En plus, le flacon, alors, il est super parce que c'est une petite, voilà. Tu vois, un petit bouchon, donc des fois, je fais juste ça, prrr, carrément, et je masse. Je le fais en haut, comme ça, le temps que ça coule, je masse jusqu'au pied. Sans oublier, les pieds, évidemment, ça masse bien, c'est bien hydratant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hier, je me suis fait ça. Alors ça, je l'ai eu chez Action aussi. C'est un masque à l'huile de coco en deux parties de chez Fructis. Sans parabènes. Ça sentait très bon. Et alors, tu mets la partie 1, tu laisses agir et la partie 2 par-dessus et tu rinces. Donc là, je l'ai fait hier. J'ai des cheveux super. Hein. Bon, en même temps, quand ils viennent d'être lavés, c'est souvent le cas. J'aurais pu faire deux utilisations. Là, franchement, une seule, c'était trop. Même pour moi qui ai les cheveux hyper longs. Qui ai les cheveux quand même longs. C'était trop, tu vois. Donc... Bon, je ne savais pas, parce que c'est un usage normalement. Bon, en tout cas, très bien. Pour l'instant, bah écoute, ils sont tout doux. Ils n'ont pas été séchés. Hein. Ils ont juste séché comme ça, naturellement. Si, j'ai fini un peu juste là pour l'arrière, parce que c'est toujours un peu humide, mais...
Et j'ai fait ça aussi hier. Hier, c'était ma soirée masque et je me suis couchée à 21h. Donc comme ça, c'est vraiment, j'avais 75 ans hier. C'est un masque à bulles. Il n'a pas fait énormément de bulles. Qu'est-ce qu'il faisait, celui-là, au charbon ? Nettoie et nourrit. Bon, d'accord. Voilà, je ne suis pas maquillée. En ce moment, j'évite de me maquiller avec le masque. Et évidemment, ce masque-là, bien sûr. Ça, j'en ai déjà repris deux fois. C'est du bicarbonate. Alors, il est alimentaire, mais il peut servir pour faire briller les éviers. Moi, c'est pour les dents. Hein. C'est pour les dents. Mais tu sais, tu mets un peu de ça dans le fond de ton évier. Tu bouches, tu mets un petit peu de ça. Donc, c'est de la poudre. Hein. Tu mets par-dessus du vinaigre blanc. Tu vas voir, ça va mousser. Tu essuies avec un chiffon microfibre. Tu vas voir, c'est nickel. Mais bon, moi, c'est pour laver les dents. C'est pour le côté blanc. Moi, j'ai pas les dents blanches. Mais j'ai pas les dents. Elles sont moins jaunes quand même avec ça. Ça vient de chez Lidl. Hein. Alors, ça, je l'ai adoré. Sans pu, bien évidemment. C'est le Mon Savon au lait à l'amande douce. J'aime beaucoup. Si je fais souvent ça dans mes vidéos, c'est parce que c'est mes piercings en fait. Tu sais, comme j'ai enlevé le masque, ça frotte toute la journée. Donc, ils ont du mal à cicatriser malheureusement avec ça. Que dire ? Je l'avais eu dans le... Comment ça s'appelle ? Easy Stock ou... Idéstock à Cuc, à côté de la plage. Voilà, voilà. Ah ! J'avais même pas fait gaffe. C'est l'un de mes préférés. Apparemment, c'est une édition limitée avec Roxane. Je pensais que c'était une youtubeuse culinaire, mais en fait, non. C'est une nana qui a fait le meilleur pâtissier, je crois, quelque chose comme ça. Alors, celui-là. Je n'ai rien à dire. Top. Lait pour le corps, ouais, sans plus, de chez Sienne. Ça sent bon, la noix de coco. Alors, pas la noix de coco très entêtante. Non, ça sent bon. Bon, il n'y a rien à dire. C'est pas le truc hydratant de l'année. De toute façon, je crois que ces gammes-là, elles sont jamais amenées à durer. Donc, Ah, ça faisait longtemps. Parfum de fraise sucrée. Oh, je ne l'ai pas trouvé souvent, celui-là, tiens. Oh oui, ça sent la fraise Tagada de ouf. Ils n'ont pas pu mettre Tagada au moins, non? Parce qu'ils mettent fraise sucrée. Je pensais que... Peut-être que c'est la marque qui n'a pas voulu, j'en sais rien. Bon, quoique, ils mettent bien Dragibus. En tout cas, ça sent hyper bon. C'est la seule fois où je l'ai trouvé, celui-là. Comment ça se fait que j'en ai... Bon, je sais pas. Voilà, bon, bah, vous avez compris, hein, mon amour pour les dopes. Attention, hein, c'est très... ça sent fort. J'ai un truc... Ah, il y a quelqu'un qui parle de moi, comme elle dit ma mère. Il y a quelqu'un qui parle de toi. Quand on a le nez qui gratte. Oh, j'aime bien celui pour mec. Oh, qu'est-ce qu'il sent bon. Bon, bref. Le lait d'amande douce, bah, je l'ai déjà repris aussi. Pas le lait d'amande douce, la douche crème extra doux au lait d'amande douce, j'ai déjà repris, ça vient de chez Lidl. C'est pareil, moi j'aime beaucoup le goût, l'odeur de l'amande, ça sent bon. Ça reste pas des masses sur le corps, hein, le petit marseillais, hein. C'est pas les petits dopes. Hein. Mais ça sent bon quand même, je n'ai plus de place. Oh, ça je voulais garder parce qu'ils sont très bien et je voulais juste vous montrer que je prenais ça chez Sienne, chez Lidl. Très bien, il n'y a rien à dire, c'est les cotons démaquillants, ils sont super. L'eau de rose que j'aime beaucoup. Chez Action. Le matin, je me débarbouille, si on peut dire, avec ça et un coton, parce que je ne mets pas vraiment de l'eau le matin sur mon visage, de l'eau du robinet. Ça, je le fais dans la douche quand je me nettoie, etc., avec ma petite mousse de douche. Et voilà. Oh, bah. Rest in peace. L'un de mes meilleurs mascaras, le You Better Work. J'ai vu qu'il n'y était plus dans mon fond, donc je pense qu'ils vont l'arrêter. Mais j'en ai déjà testé d'autres, hein. Vous avez vu, j'en ai le 24 hour, là, je sais pas quoi, je vous en reparlerai en live. Donc celui-ci, bon ben voilà, on le laisse maintenant, c'est fini. Ça, c'est le couvent des minimes. C'était une petite, voilà, un petit sabon que m'a offert Jamila, ma copine, pour mon anniversaire. Oh oui, ça sentait très, c'est très fort, ça sent un petit peu le patchouli. Donc, le couvent des minimes, Fort Royal, parfum remarquable. Oui, ça sent vraiment bon. Oh, ça, je l'adore. Le déodorant de chez Sienne, il sent bon. La coco, enfin, encore que faut le sentir que c'est de la coco. Hein. J'aime beaucoup ces déodorants-là de chez Sienne. Je les adore. Je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'ils sont pratiques. Etc. Ah, bah tiens, 007, 138. Et celui-là, c'est quoi? Est-ce qu'il m'avait pas... Non, 063. Bon, ben voilà. J'avais déjà un... Il m'avait fait un partenariat cet été. Donc, c'était le 007. Oh, c'est rigolo, ça, d'ailleurs. Tiens, 007. Est-ce qu'il y aurait encore un petit fond pour que je puisse sentir? Ah, ah, ah.
Ah oui, ça sentait très... Ça sentait la crème. La crème très strong, là. Tu sais, un peu les crèmes de boudoir. Ça veut rien dire, mais je sais pas comment on peut décrire si mal. Oh oui, moi j'aime bien parfum Nox, hein, honnêtement. Je ne connais jamais les vrais parfums, donc je peux même pas vous dire les correspondances, parce que j'achète jamais de parfum. Oh, ça sent trop. Ah ça, Frédéric M, c'est une abonnée qui m'avait envoyé cette marque-là. J'avais beaucoup aimé. C'était Tout est bio à l'aloe vera, c'est un gel douche, je l'ai adoré. Chloé, si tu passes par là. Je vous remets ses coordonnées en barre d'infos pour retrouver la marque, tiens, d'ailleurs. Parce qu'elle m'avait offert aussi le dentifrice et tout ça, et super. Ah, mon primer teinté de chez Essence, que j'adore, qui est matifiant et tout ça, il est super. Essence, de toute façon, qu'est-ce que je peux encore vous dire dessus? Ça vient d'où? Ça doit être aussi Action. Ouais, ça doit être Action. C'est un... C'est comment ça s'appelle? Un face scrub, gommage pour le visage à notre coucou. J'aime bien, au charbon. Attention, ça fait du noir dans le lavabo. Hein. Le Alien de Mugler, ça, c'est juste parce que je l'adore, en fait. Je voulais juste vous dire que je l'adore. Et alors ça vient de chez Zalando. C'est un contour des yeux. Il coûte 12-13 euros. Il est bien. Il est bien hydratant. Mais ça ne vaut quand même pas celui à la bave d'escargot ou à l'escargot ou je ne sais quoi, là, de chez Action. Donc, tu vois, et c'est quand même beaucoup moins cher. Là, j'en ai essayé un de chez Action au Q10. Il n'est pas transcendant. Il n'est pas transcendant. Bon, bah les filles, en tout cas, je vous mets mon petit code promo pour les parfums Nox. Je vous mets pour retrouver les produits Frédéric M que j'avais, moi, perso, adoré. Chloé, mon abonné, si tu passes par là, si un jour tu veux faire un partenariat, je preneuse. Hein. Oh là là, oh là là. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vais aller manger parce que j'ai faim. Tiens, j'ai du maïs qui m'attend. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.